spectacle. Voici André Ménard, cofondateur du Festival international de jazz de Montréal, et Jacques-André Dupont, fondateur du Camp de blues. Salut! Avez-vous envie de blues? Ouais. Une semaine, ces 55 jeunes que vous allez vous voir aujourd'hui ne se connaissaient pas. Et aujourd'hui, il vous présente un show sur la plus grosse scène, la scène TD du Festival de Jazz. C'est un exploit. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Je remercie TD, le magasin Music Steve, Jam Erickson, qui nous ont aidés à leur offrir un camp de blues de rêve, et toute l'équipe du Festival et du camp de blues qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, mesdames et messieurs, André Ménard. Merci. C'est vraiment pour vous ce qui est, je pense, une des plus belles initiatives de l'histoire du Festival de Jazz. Ça fait 6 ans que ça dure, et il y a même un jeune qui a participé il y a 6 ans à la première année, qui cette année a été reprogrammé sur une de nos scènes avec son groupe, parce qu'il avait persisté après avoir fait le camp de blues. Évidemment, tous les musiciens que vous avez aujourd'hui ne deviendront pas des stars professionnels, mais ils ont vécu une expérience humaine et musicale unique, comme on se plaît à dire que le Festival de Jazz est une expérience musicale et humaine unique. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, le directeur artistique du camp de blues, Vincent Beaune. Oh oh! Est-ce qu'on a des amateurs de blues ici? Si vous êtes des amateurs de blues, dites « yeah! » Si vous êtes des amateurs de blues, dites « oh yeah! » Ben que le spectacle commence! Choose.